Salut tout le monde, c'est TheBenOne et aujourd'hui on se retrouve sur Anime Dimension pour essayer un tout nouveau personnage de l'événement 3ème anniversaire qui sont juste ici. Même la dernière fois on avait testé le bon vieux Machel qui était excellent et aujourd'hui bah, je sais pas trop quoi prendre comme personnage. Alors vous savez quoi, on va faire à la chance. Même vous verrez au titre de la vidéo quel personnage j'ai eu ou pas. Et on va voir qu'est-ce que. Vous savez quoi, attends, il y en a combien? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 8. On va faire 8 x 3, attends, 8 x 3, bah ça fait 24. Et vous savez quoi? On va faire un tirage à toi entre 1 et 24. Vous savez quoi, je vais juste. Tac. Entre 1 et 24. Et on va voir sur quel perso je vais tomber. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Attends. On va refaire juste. 17. Ok. Juste, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est Tanjiro qu'on est tombé. Attends. Je suis sûr. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, c'est Tanjiro. Vous savez quoi? En vrai, ça m'arrange. J'aime bien Tanjiro. Vous savez quoi? On va l'acheter. Et on va le tester tout de suite. On va enlever qui a la place. Vous savez quoi? On va. Tac. Je vais mettre en première position et Machel en deuxième. Attends. Il faut juste que je regarde mes cartes. Attends, ok, c'est bon. Vous savez quoi? En fait, j'ai déjà Tanjiro, si je me trompe pas, mais. Attends. Ouais, de base, Tanjiro, c'est un personnage qu'on peut avoir normal. Et j'ai pas cette version de Tanjiro. Allez, vous savez quoi? On va tester ça tout de suite en normal. Tac. Ah mince, vous savez que. Vous savez quoi? On va juste tester ça sur un petit level. Tac. Ouais. Même, vous savez quoi? On va prendre la Devi Dimension. C'est la dimension de Shaysoman. Et en plus, elle est vraiment chouette. Parce que dedans, on peut affronter Power. Vous savez quoi? Déjà, de base, l'épée est stylée. On va voir un peu ce qu'on peut avoir. J'active juste mes assists. C'est quand même vachement bien. Tac. Allez, vous savez quoi? On va tester la première attaque. Qui est... Oh, trop classe. Même, attends, je me fais déjà défoncer. Attends. Même, juste... C'est trop. Les effets, ils sont. C'est comme dans l'anime, ils sont magnifiques. Attends. Non, je fuis. Je fuis. Tac. Allez. Bam. Trop classe. Et. Waouh, c'est magnifique. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Tac. C'est magnifique. Regardez. On va tester la quatrième. Attends. Tu sais quoi, la troisième attaque. C'est quoi? C'est. Ok, ouais. Il lance des trucs de flammes. La deuxième, c'est quoi? C'est... Ok, fais la roue. Juste, dites-moi ce que vous pensez du perso en commentaire, mais franchement, je trouve vachement classe. Oh, c'est quoi ça? Magnifique. Merde, je suis mort. Ça a été à ma chaîne. Juste, waouh. Je m'attendais vraiment pas à ça en ayant entendu Jiro. Parce que la version de base, elle est vraiment bof. Ouais. Après, vu que c'est un personnage facile à voir, c'est normal, mais j'aurais vraiment, je trouve, moyenne. Tech. Allez, mangez-vous ça. Tac. J'ai mon petit like les gaming qui fait extrêmement plaisir. Tac. Même le tank. Même en fait, ce qui est vraiment bien avec cette dimension. Là, c'est que vrai. Là, c'est un peu basique, mais après, on va rentrer dans un petit truc japonais. Ça va être tellement classe. Dans un temple japonais, si je me trompe pas. C'est quoi? On va manger. Regardez. Vous avez déjà vu like manger un petit chou à la crème? Je pense pas quand même. Et là, on signe alter, ça je trouve, vous avez encore bon goût. Tac. Vous savez quoi, après, on va tester en raid pour voir si bien. Même, on va peut-être pas faire un raid. On va peut-être faire un raid Tanjiro pour voir. On va voir le premier. Tac, tac, on active ça. Bon, c'est encore un. Bon. Vous savez quoi, je pense que je vais bientôt mourir, alors on va bientôt rejouer Tanjiro. Tac. Même, je sais pas si vous avez reconnu, c'est ce démon pistolet là, qui est en première position.
Ici, c'est, je crois, c'est un des, c'est un, c'est un gentil, je crois, c'est, il y a Paris dans l'épisode, dans le dernier épisode de Susanne, si je me trompe pas. Même là, il y a la grande Power qui est là. Et je crois le dernier boss, si je me trompe pas, je sais plus trop son nom, c'est Makino ou c'est elle ou Denji est amoureux. Tac. Allez, on utilise toutes nos compétences. Et il prend quand même assez cher. Tout. Même un personnage que je voudrais bien avoir, c'est Dio Brando. Ou alors, comment il s'appelle déjà? Ah, le truc que Joestar. Attends, ah, Joestar. J'ai plus les noms en tête. C'est... on va tester. Moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que, vu qu'il fait des dégâts, vu qu'il y a des flammes, est-ce qu'il fait des dégâts de flammes, ton Giro? Ça peut être une bonne chose à savoir. Même, on est à la moitié du raid. Même juste pour voir, elle possède une capacité. C'est pas celle-là, c'est après. C'est quand il lance des flèches là de sang. C'est tellement chiant. Tac. Allez, tac. Même, on va rejouer Tanjiro. Et moi, il y a 4ème attaque. J'ai 3 dorés. C'est con, on va les refaire. Tac. Allez, bam, bam. Et regardez. Wesh, mais c'est trop classe. Et bam! Tac! Tac! Même en vrai, c'est chouette de faire un personnage aléatoire, c'est drôle, moi je trouve. Même depuis ces dernières semaines, depuis qu'il y a l'événement, je farm à fond les tokens pour avoir de nouveaux personnages. Parce que franchement, ces personnages-là, ils arrivent que une fois par an. Et je serais un peu dégoûté de les rater. Tac! Et bam! J'adore les effets spéciaux. C'est vrai qu'il est vachement plus beau que Machos. Après Machos, je le trouve plus drôle. Même. Allez, tac. Bam, bam, bam. Et regardez. C'est à temps du soleil. Trop classe. Bam. Même après, je pense qu'il est quand même plus puissant que Sonic. Parce que Sonic de One Punch Man. Je pense. Tac, mince. Je suis mort. Même, j'ai pas très habitude de jouer sur PC, d'habitude je joue sur mobile, sur tablette, mais là j'ai vraiment pas trop l'habitude. Allez, bam. Même le fruit phénix est tellement cheat. J'ai gardé longtemps le fruit dark, mais le fruit phénix est tellement plus puissant. Allez, encore. Même là, il y a que des démons flingues. On va lancer une petite halter. Allez, bam. Et manger mon chou à la crème. Même là, vous allez voir le boss final de ce monde, qui est tout simplement Makino. Toc toc. Même, elle est juste. Elle possède une attaque, la première attaque, si je me trompe pas. C'est... Ouais, celle-là, elle est ultra forte. Si vous tombez dedans, vous êtes mort. Bam. Allez, mince. Allez, je me dépêche. Même après, les récompenses de ce monde, elles m'intéressent plus trop parce que j'ai déjà. Personnage en mythique, mes cartes en mythique et j'ai déjà power. Après, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir accessoire qui pourrait être sympa, et sinon, ça m'intéresserait pas trop. Allez, bam! Et on utilise le F. Mince. Allez, et même on l'a mis 1000 life, ça va encore. Bam! C'est quand je mets toutes mes compétences en même temps. Au moins, c'est comme ça le plus rapide. Après, j'ai pas mis un arcord, ça va alors. Allez. Mais après, je crois en arcord, l'XP monte quand même plus vite, j'ai l'impression. Parce que là, même là, comme vous voulez voir, je suis level 30, 130, pardon. Et je suis bientôt dans un level. Je pourrais débloquer la dimension de One Piece, de Wano. Et ne déçois pas, Tanjiro. Dans du soleil. Tellement stylé, franchement. Je vois pas beaucoup jouer Tanjiro. Je sais pas s'il est pas très fort ou pas, parce que. Ou s'il est assez amusant, parce que je le trouve vraiment vachement puissant et. Je sais pas, les joueurs ne jouent pas trop. Allez, on a terminé. Maintenant, je vais pas me faire tuer quand même. Voilà, même. On n'a pas eu les meilleures récompenses. On a eu. Du épique et du bleu. C'est pas mal. Même moi, depuis la dernière fois, j'ai un peu farm, récompense, et j'ai réussi à avoir une carte mythique de...
Attends, j'ai une carte, j'ai ma carte mythique, c'est quoi déjà? Quand on va dans le sac à dos. Ouais. Ok, Waluki. Même, elle est pas mal, même j'ai réussi à avoir plein de cartes. Regardez, ça c'est toutes mes cartes que j'ai du V121. Enfin, j'ai fait un raid infini, j'ai eu toutes ces cartes, c'est un peu beaucoup quand même. J'ai quand même beaucoup de cartes quand même. J'ai encore des cartes level 1. Vous savez quoi? Si vous êtes chaud, on va essayer de faire. Wesh, wesh, c'est quoi ça? Pourquoi il y a speed? On va faire un petit raid quand même. On va tester Tanjiro. Ouais. Et je crois que j'ai pas l'accessoire de Tanjiro dans les raids. Parce que j'ai eu l'accessoire de. Du raid Mob Psycho. Tac. Et on va voir un peu ce qu'il y a comme raid. Ouais, un petit truc sympa. Infini. Ouais. Démon. On va voir, vous savez quoi? On va voir le premier qui se remplit le plus rapidement. C'est quoi cette jeune raid? Ah mince, bah il était. Vous savez quoi? Si on fait un raid Asta. Je sais pas si on l'avait déjà fait la dernière fois. On peut faire un, ça peut être sympa. Mais regardez ce style. En plus, j'ai mis accessoire de MHA. Si je me trompe pas, ouais. Dans sac. Dans accessoire. En fait, de base, je suis à crème, mais j'ai mis l'apparence du comics model. Sinon, j'ai ça aussi. Ça donne quoi, en fait? Regardez. Je suis pas un peu classe comme ça? C'est quand on va remettre celui-là, je trouve vraiment bien l'apparence. En plus, je trouve que ça va bien avec Tanjiro. On se retrouve en raid pour Comics Wolfman. Vous savez quoi? Là, on va tourner à fond. Parce que, franchement, ce personnage, je l'ai pas et je voudrais bien l'avoir. Oh, regardez, un petit Luffy en Gearfile. Ça fait plaisir. Tac. J'utilise toutes mes compétences en même temps. Tac. Et regardez, on est déjà à récompense 21. Et je suis mort aussi. J'ai même pas remarqué que j'étais mort. Il y a tellement de particules de trucs que. Ouais, j'ai même pas remarqué. Vous savez quoi? On va utiliser. Enfin, il est où le boss? Ok. Là, il y a un peu trop de particules. Genre, on voyait presque rien. C'est ça qu'on est à 8. Mais le pire, c'est encore qu'on est à 12. Il est méga raid à 12. Ça, c'est une autre histoire. Vraiment, on voit plus rien. Allez, protoinataire. Même, on est à récompense 24. C'est pas bon. Le but, c'est d'aller à 37. 37, ouais, ça serait pas mal. Tac. Allez, pam. Même là, Tanjiro et Macha, ils sont quand même. En fait, là, franchement, dans mon deck, j'ai trois bons personnages. J'ai Tanjiro, j'ai Macha et j'ai Emilia. Emilia, ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle fait des attaques de zone. Et aussi, c'est sa troisième et quatrième attaque. La quatrième, elle soigne. Et ça, c'est tellement un avantage. En plus, Mia, c'est un personnage que j'ai eu, je crois, quand j'étais level 20. Genre, au bout de mon deuxième boss rush, j'ai eu Emilia. J'étais tellement content parce que j'avais Luffy et Naruto dans mon équipe, mais Luffy qu'on obtient au début du jeu. C'était vraiment pas top. Allez, on va faire un petit dans le soleil. Même on voit rien que ce du KFL de G. Mince, je viens vraiment faire toutes mes attaques dans le temps. Je suis pas croyable. Tac. Même j'ai pas vu de jouer Tanjiro, mais c'est bon. Tac. Même j'ai vu un peu. Pour l'instant, là, je suis bientôt à mon 100ème raid. J'ai vu, il y a un mec dans le jeu, il a fait plus de 100, plus de 10 000 raids. C'est énorme. En plus, il joue depuis. C'est-à-dire s'il joue depuis les 3 ans. C'est-à-dire qu'il fait 10 raids par jour. C'est quand même. Ouais, c'est quand même un petit record. Cette attaque là, le rayon laser, c'est tellement cheaté. Même franchement, là, c'est pas grave. On a fait 36 récompenses, c'est déjà très bien. Et je pense pas que c'est une récompense qui va tout changer du tout. Même là, j'ai juste envie de voir ça va être quoi l'accessoire ou les récompenses qu'on va avoir. Parce que franchement, c'est 0,03% d'avoir un personnage. Et pour l'instant, j'en ai jamais eu en raid. Alors je voudrais bien en avoir. En plus, ce qui est drôle quand on y pense, c'est que au boss rush, c'est plus rare d'avoir Emilia, alors que dans les raids, j'ai jamais eu une personne en raid. Même. J'ai eu. Ouais, c'est pas ouf. Et j'ai eu. Je suis 5ème. C'est quoi, on va tester ça en partie. En speed. Tac. Après, je crois maintenant le perso le plus puissant, c'est Freerun. Freerun. Freedom, je sais plus. C'est un Isekai, je crois. Tac. Tac. Après, en vrai, je
sais pas si... En fait, pour moi, ils sont presque au même niveau. Après, je crois que c'est les termes de points. Je crois que Tanjiro, il vaut moins... Par exemple, dans le jeu, il y a un système de collection. Et je crois que Tanjiro, il vaut peut-être que 1600 points, alors que Sonic, il en vaut 2000. Ça aussi, c'est possible. Juste, m'explique les dégâts, déjà, que j'ai mis. J'ai mis un peu de dégâts et il est presque mort. Tech. Après, ouais, c'est mon premier raid aussi. Le perso est aussi moins fort. Parce que, faut... Tech. Et même juste pour les effets spéciaux. Le perso, en vrai, je lui mettrais un bon 8 sur 10. Je trouve vraiment chouette le perso. Tech. Non, mince. Ah, je suis mort. Même, en vrai, je pense le rang S, je peux l'avoir. J'ai mis à un tiers du PV du boss, je pense que c'est possible. Vous savez quoi en faire? La danse du soleil. Regardez, c'est tellement classe. Il n'y a plus aucun dégât. Non, il n'y a plus aucun dégât. Allez. Bam, bam. Le R. Et mange-toi ça. Allez. S plus. Vous savez quoi? Moi, je vous dis, je suis quand même content. Ça me fait un tout nouveau personnage dans le jeu que j'ai découvert. Et pour la prochaine fois, vous saurez le personnage que je vais essayer, que je vais prendre. Même, je me reconnecte juste pour faire l'ending de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine sur Anime Dimension pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!